Bonjour à tous, je vais introduire cette conférence consacrée donc à l'univers des ouvrages de Stéphane Barou, dans le cadre donc du dispositif Un mercredi, un auteur. Je représente donc le groupe Maîtrise de la langue, qui est piloté par Madame Neveu, inspectrice de l'éducation nationale. Nous travaillons donc en partenariat avec Canopée et puis l'INSPE. En amont de cette conférence auquel vous allez assister, nous avons sélectionné une douzaine d'ouvrages lors d'un comité de lecture avec les conseillers pédagogiques et en présence de Madame Tellier, qui, donc présente ici, nous a apporté son regard averti sur l'univers de cet auteur. Je voulais rappeler qu'il y aurait des séquences pédagogiques qui seraient déposées sur le site de Canopée relatives à trois ouvrages que nous avons sélectionnés, qu'il s'agit de « Un pays au fond de la classe »,« Mon pull panda » et « Goutte au moins ». Donc, vous les retrouverez dans quelques semaines sur le site de Canopée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Barou. Nous sommes évidemment très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce format un peu particulier, à distance. Mais on sait que le public est nombreux et nous écoute. Alors, il me revient la difficile mission de vous présenter en quelques mots, ce qui n'est pas évident. Dans le métro tout à l'heure, il m'en venait un. Je vais le faire, c'est un peu facile, mais alors, j'avais envie de dire baroudeur. Parce que le voyage est une place importante dans votre création et dans votre vie également. Vous avez beaucoup voyagé. Alors pour résumer, je me prête à l'exercice de résumer votre parcours très rapidement. Vous avez une formation artistique, vous avez travaillé comme graphiste et puis subitement, enfin vous dites souvent par hasard, un premier projet d'album vous a été proposé, d'illustration d'album, et puis un deuxième, et puis à ce moment-là, vous partez au Canada et vous décidez de devenir illustrateur professionnel à temps plein. Et c'est donc tout un épisode américain, si je puis dire, puisque le Canada vous emmène ensuite aux États-Unis, où vous passez quelques années, vous rentrez en 2002, et depuis, donc, vous vous consacrez à ce travail d'illustrateur. Alors, votre œuvre est très diverse, vous dessinez, vous illustrez plutôt, pour les enfants, pour les adultes. Vous avez fait aussi du dessin de presse, une grande partie de votre carrière, notamment aux États-Unis et au Canada. On pourrait dire donc que vous êtes peintre, dessinateur, graphiste, plasticien, mais le terme que vous employez sans cesse, c'est le mot d'illustrateur. Et vous faites partie des personnes qui défendent ce métier particulier, qui est l'illustration au regard des autres arts graphiques. C'est un des points évidemment que nous allons travailler avec, enfin discuter en tout cas avec vous aujourd'hui. Alors avant de commencer à discuter, j'avais envie de proposer aux enseignants qui nous écoutent la lecture d'un de vos albums, qui me paraît une belle introduction parce que les thématiques qui traversent votre œuvre sont souvent mêlées les unes aux autres et j'avais envie d'en retenir trois. Celle du voyage, qui me semble vraiment dominante, celle de la solidarité et celle de l'écologie, ou du rapport plus général, j'ai envie de dire, aux autres, qu'ils soient humains ou non humains, et qui prend une place, me semble-t-il, de plus en plus importante dans votre création, mais vous nous en parlerez tout à l'heure. L'album que nous avons retenu, c'est « Ce matin-là, mon voyage a commencé », publié l'année dernière aux éditions Albin Michel. C'est un matin comme les autres. La ville se réveille et déjà s'active. Je me lève, me douche et m'habille. Je déjeune d'un bol de céréales avec du lait et d'une tartine de miel. C'était pourtant un matin comme les autres, mais c'est là, à la fenêtre de ma cuisine, que je me suis dit « Faut changer d'air. Allez hop, fais ta valise. » Trois paires de chaussettes, un couteau multifonction, une boîte d'allumettes, une trousse à pharmacie, un appareil photo, deux rouleaux de papier toilette, une carte routière, une bombe anti-moustique, une raquette de tennis, une serviette de bain, une fourchette, une glacière, un gant de toilette, de la crème solaire, un chapeau, un carnet de notes et un stylo, une paire de lunettes de soleil, une tasse, 2 litres d'eau potable, un sac de couchage, un parapluie, un fusil pour me protéger des ours, une tente, un savon, une lampe de poche, un téléphone, un réveil matin, un pull d'hiver, un maillot de bain,
trois slips, des mouches, une écharpe en laine, une moustiquaire, un peigne, des palmes, deux pantalons, une corde, du dentifrice et une brosse à dents. J'ai mis la clé sous le paillasson et, sans me retourner, je suis partie droit devant moi. J'ai marché. Le vent soufflait tellement fort que ma carte s'est envolée. L'océan, noir comme un corbeau, secouait les bateaux dans tous les sens. J'ai pris une photo. J'ai marché. Je me suis arrêtée sous un arbre pour demander mon chemin. L'homme qui s'abritait là m'a questionnée. « Vous allez où ?» J'ai répondu « Par là ». Il m'a dit « Alors, vous êtes sur le bon chemin ». On a partagé un melon et je lui ai donné ma tente. Impossible de remettre la main sur mon appareil photo. J'ai marché. Dans une forêt sombre, longée par une rivière, j'ai vu un ours. Incroyablement grand. Sans aucun doute, le roi des ours. J'ai sorti mon fusil. Il m'a regardé. Je me suis assis. Je l'ai regardé. Longtemps. Et je suis partie, en oubliant mon fusil au bord de l'eau. J'ai marché. Dans un village baigné de soleil, j'ai échangé mon réveil, mon téléphone et ma trousse à pharmacie contre une grappe de raisin. C'était une belle journée qui commençait. J'ai marché. J'ai vu des villes gigantesques, éclairées de mille feux. J'ai donné mes lunettes de soleil. J'ai laissé mon parapluie sur un banc, dans un parc. J'ai marché, j'ai échangé mon gros sac contre un plus petit et je me suis sentie plus léger. Ce jour-là, j'ai marché d'un bon pas. J'ai donné ma moustiquaire à un pêcheur pour qu'il répare les trous dans son filet. C'était un matin comme les autres. J'ai fait un pas, je me suis arrêtée, j'ai regardé devant moi et je me suis dit... J'ai beaucoup marché du sud au nord et de l'est à l'ouest. Peut-être est-il temps de rentrer. Alors, je suis rentrée. Tout était à sa place. Rien n'avait bougé. J'ai vendu ma voiture et acheté un vélo. J'ai raconté mon voyage à mes voisines, mes voisins. J'ai trouvé des graines au fond de mon sac. On les a plantées et regardées pousser en discutant. Tranquillement, la terre a tourné sur elle-même et le soleil s'est couché. C'est un matin comme les autres. Je me lève, les oiseaux se mettent à chanter. Les liserons d'aile de jour et les roses d'Inde répandent dans l'air leur parfum sucré. C'est une belle journée qui commence. Voilà, parmi tous les livres qui m'ont marqué dans vos travaux, l'un de ceux qui m'a peut-être le plus touchée et que j'avais envie de partager aujourd'hui avec les enseignants qui nous écoutent et puis avec vous aussi. Alors voilà, peut-être avez-vous envie de nous en dire un peu plus sur cet album qui me paraît particulièrement beau. Merci, c'était bien lu d'abord. C'était assez émouvant de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Moi, quand je l'écris, je le lis souvent à haute voix pour voir si tout coule, s'il n'y a rien qui accroche. Et donc, c'est agréable de l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Ce livre existe parce que pendant des années, il y avait un poème de Borges sur mon frigo que je lisais tous les matins qui s'appelle « L'instant ». Et voilà, si je devais revivre ma vie, je voyagerais plus léger. Grosso modo, c'est à peu près ce que dit ce livre. Et puis, c'est venu se mélanger avec, depuis 4 ans maintenant, je marche... j'ai fait le chemin de Stevenson, je suis en train d'attaquer le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et je le fais par tranche de 15 jours. Et c'est vrai que la première fois, on sait pas trop, on prend son sac à dos, on le charge à bloc, on a peur de tout, on a peur de ce qui va nous arriver, et voilà. Et cette inquiétude, elle sert à rien.
et elle pèse lourd. Donc, du coup, l'idée, c'était de dire, ben voilà, psychologiquement, enfin, il va se détacher de certaines choses qui ne sont pas... La crainte de l'ours, par exemple, je trouve c'est très... On s'en fait tout un film, et puis finalement, quand on le voit, il est tellement beau que ce fusil, ben, il sert strictement à rien, et il vaut mieux le poser à côté de soi et observer la scène. Et puis finalement, c'est pas si dangereux que ça. Si on s'en approche pas, il va partir, et c'est très beau comme ça. Donc c'était, il parle de ça, ce livre. Et il parle un peu d'écologie, évidemment, aussi. Et puis voilà, quand je l'entends lire, je m'étais pas rendu compte à quel point il y avait de moi dedans, puisqu'effectivement, il y a New York, on en a parlé, il y a l'ours, c'est forcément le Canada, et puis au début, ben, c'est mon enfance au Maroc aussi, mes parents étaient expatriés, donc voilà, il y a pas mal de choses de moi dans ce livre-là. Et ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que finalement, vous nous dites que c'est un message d'homme mûr, finalement, que vous aviez sur votre frigo, ou d'homme qui a déjà suffisamment vécu pour en tirer des leçons, et vous avez décidé d'adresser à des enfants. Est-ce que vous pensez que par ce biais, il y a une forme de partage entre générations qui se tisse? Je sais pas, je trouve que déjà, certains enfants, déjà, même en CM2, ou même parfois encore avant, ils ont déjà des rituels, et ils sont déjà... Ils vont avoir bientôt un téléphone portable, si c'est pas déjà le cas. Ils ont déjà une trousse avec plein de stylos dedans. Certains marchent pas, mais ils les gardent parce que c'est un totem, c'est un doudou. Enfin bon, bref. Et déjà, ils ont même pas encore 15 ans, qui sont déjà lourds de plein de choses qu'on leur impose ou qu'on, voilà, par rapport à l'école, par rapport au savoir, par rapport aux parents qui projettent parfois sur eux des choses. Donc non, c'était un moment de légèreté. Voilà, ce livre-là, apprendre à être un peu plus léger. Donc, il n'y a pas d'âge, à mon avis. Vous avez parlé alors de l'ours blanc. Évidemment, ça nous fait penser peut-être à un autre album sur lequel nous étions arrêtés. Album qui peut être déroutant et qui, encore une fois, finalement montre à quel point les thématiques sont mêlées dans votre univers. Parce que alors, l'ours polaire, c'est un symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. On est habitué finalement à ce qu'une certaine littérature de jeunesse s'empare de cette figure. Et vous, finalement, vous en faites... On se doute que la question climatique est en arrière-plan de l'album, mais c'est pas le thème principal. Le thème principal, c'est l'accueil, c'est la solidarité, c'est les migrants. Est-ce que vous aviez conscience finalement de choisir des personnages animaux, et pour autant il y a beaucoup de personnages humains dans vos albums ici qui incarnent ces deux faces finalement du changement climatique, à la fois la question de la protection de la nature et des espèces, et puis de cet animal particulier pour nous, qui est l'homme, au milieu de ce changement. Alors, ce livre-là, il est un peu particulier. D'abord, c'est une commande. J'avais fait deux livres déjà avec... c'est un éditeur anglais, à la base, avec qui j'avais fait Où est l'éléphant, qui parle de la déforestation en Amazonie. J'avais fait ensuite Où est l'étoile de mer, qui parle de la pollution des fonds marins. Et ça avait été deux énormes succès. Ils avaient été traduits dans 14 langues. Donc évidemment, l'éditeur m'a dit « il faudrait un troisième ». Et le troisième, on cherchait des idées, et à un moment donné, et ça vraiment, c'est vraiment elle qui est à la base de ça, elle a dit « mais si t'écrivais sur les migrants ?» Je lui ai dit « mais t'es sûr, vraiment, c'est un sujet qui est pas facile ?» Bref, et... Ça se passait à Londres, en anglais. Et dans le retour, dans le TGV, j'ai plusieurs choses qui se sont mises en place dans mon cerveau, et notamment le fait que ça puisse être un ours. Et l'histoire de ce livre, c'est vraiment le point de départ, c'est deux ours sur une banquise, qui discutent. Et paf, la banquise se craque en deux, et trois ours se mettent à dériver sur un bout de glaçon. Et l'idée, c'était d'aller cogner à plusieurs portes. Et à chaque fois, on leur refuse de les accueillir pour des mauvaises raisons. La première, c'est les vaches qui leur disent, donc évidemment, c'est un voyage dangereux. Les vaches leur disent, mais non, vous êtes bien trop poilus, bien trop grands, bien trop ceci, bien trop cela. Donc, ils continuent à dériver. Ils ont une problématique, c'est que leur glaçon diminue de plus en plus. Donc, ça devient de plus en plus urgent de trouver un endroit pour pouvoir être accueilli. Ils vont trouver un panda qui a plein de place, qui leur dit bah attendez, non, vous voyez bien ici, je peux pas vous accueillir, vous êtes bien trop nombreux, alors qu'il a plein de place. Il y a carrément des girafes,
qui se sont créé un mur autour de leur île et eux appellent à l'aide, mais les girafes disent « t'as entendu quelque chose ?» Non, 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 non. Bref, il y a toujours plein de bonnes raisons de pas accueillir les autres. Et donc, à la fin, au dernier moment, ces trois ours vont trouver une terre d'accueil, vont se poser. Et la page suivante, trois singes arrivent sur un bateau en disant « aidez-nous, aidez-nous !» Et les trois ours vont dire « vous êtes... » Trois petits points, on tourne la page, et bienvenue, et c'est une scène de fête. Voilà, donc ce livre-là, j'en suis fier, d'abord, parce que il a suivi le chemin des deux autres, il s'est très très bien vendu, et il a été vendu en Turquie, donc j'étais, il y a un éditeur turc qui a acheté les droits, et qui m'a invité à Istanbul, et j'étais fier et content d'être là-bas parce que ils ont un gros gros problème et eux sont en première ligne, c'est les portes de l'Europe, et ils subissent une pression terrible, et c'était vraiment un acte politique pour cet éditeur de publier ce livre-là, donc j'étais assez fier d'aller le défendre sur place. Et puis à la base c'était trois pingouins. Et ça, c'est vraiment très prosaïque, c'est les Anglais, les droits étrangers ont regardé les esquisses et ont dit « mais attendez, il n'y a pas de pingouins au pôle Nord ». Je dis « oui, mais il n'y a pas non plus d'ours polaires qui jouent au badminton ». Et ça les gênait pas que des ours polaires jouent au badminton, mais que des pingouins puissent être au pôle Nord, ça les gênait. Il y avait autre chose qui les gênait, c'était dans cette scène-là, donc juste après que la banquise craque, il y a une scène où on dit voilà c'est très dangereux et je fais tomber un ours du petit bateau en glace là et je le dis voilà c'est dangereux et je montre l'ours à part. Quand c'était des pingouins je disais rien, ils étaient trois la page d'avant et la page d'après l'histoire continue mais il en manquait un et ça fonctionnait très très bien, personne remarquait sauf après 3-4 pages. Et ça marche avec des pingouins. Sauf que quand vous mettez trois ours, c'est que sur la page d'après, il en manque un. Immanquablement, ça se remarque. Donc, j'ai pas pu faire le même effet. Inconsciemment, des pingouins, on sait qu'il y en a plein. Donc, s'il en manque un, c'est pas bien grave. Mais un ours polaire, quand on en enlève un, ça devient ça devient visible. Et je me suis rendu compte avec ce livre-là aussi, c'est que immanquablement, les trois ours, pour les différencier, j'en ai fait un plutôt grand, un qui a une écharpe et un plus petit. Les enfants, à chaque fois, voient une famille. Ils voient un père, une mère et un enfant. Alors que les trois pingouins étaient les mêmes, étaient identiques. Donc voilà, sur mes carnets d'esquisses que je vous ai apportés, cette histoire-là, elle existe avec trois pingouins. Mais sans regret. Alors, je l'ai pas là dans ce carnet-là. Je vous ai apporté quelques carnets. Je vous montrerai d'autres choses, mais... Et donc, vous abordez des sujets qui sont extrêmement graves, hein, puisque là, évidemment, alors, on parle de migrants, on parle de voyages dangereux dans la mer, on parle de périls. Vous êtes sur des questionnements de société qui sont quand même douloureux, que vous abordez avec des couleurs, avec des personnages, avec un figuré qui, finalement, le rend accessible à de jeunes enfants. Est-ce que vous diriez, vous, que vous êtes un écrivain pour la jeunesse engagée ou pas? C'est rigolo. C'est une question qu'on vous pose souvent. Hein. Ben, depuis quelques années, oui. Parce que ce type d'ouvrage, évidemment. Non, 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 pas du tout. C'est parce que je suis très vieux et que je commence à avoir fait beaucoup de livres. Ah. Donc, c'est vrai que les gens commencent à se retourner un petit peu sur ce que j'ai fait et ça commence à se voir, effectivement. Mais engagé, oui, sûrement. Enfin, j'ai l'impression on devrait tous être engagés. Non, ce qu'il faut dire, surtout, c'est que... Je sais pas dessiner les dragons et les princesses, et puis ça m'ennuie profondément. Donc du coup, c'est vrai que j'essaye d'aborder plutôt des sujets d'actualité, des sujets contemporains. Il faut savoir que il y a pas si longtemps que ça, il y a un an, quand il y avait encore des cafés et qu'on avait le droit de toucher un journal dans un café sans avoir peur d'attraper le Covid, il faut savoir que depuis quelques années, depuis que je suis rentré en France, je commence tout le temps ma journée par... Je monte pas à mon atelier si j'ai pas pris mon café au bar, à lire Libé ou Le Parisien ou n'importe quel journal qui se trouve sur le zinc. Parce que je passe à travers pour me tenir au courant de ce qui se passe, je lis les faits divers, bien évidemment, je lis tout ce qui se passe dans le monde. Et entre le moment où je paye mon café et le moment où je monte dans mon atelier, des choses se passent dans mon cerveau, des choses se clignotent ou s'éteignent, mais restent là, et puis brusquement,
je suis en train de travailler et je me dis, mais si j'écrivais quelque chose sur ça. Bref, il y a des sujets qui montent. Tuvalu, qui est un livre qui était un des tout premiers livres à parler des migrants écologiques là, de réfugiés climatiques. C'était trois lignes dans Libé qui disaient voilà, le peuple tuvaluien a mis ils avaient fait un petit buzz autour de Tuvalu pour alerter, pour dire que leurs îles étaient en train d'être submergées. C'est passé, vraiment, c'était rien, mais c'est resté dans mon cerveau et j'ai commencé à écrire ce texte sur les îles Tuvalu et puis voilà, donc c'est un processus que j'ai mis en place pour essayer de trouver des idées. Et plutôt, je trouve que les enfants on a toujours tendance un peu à les infantiliser. Les enfants comprennent beaucoup de choses et ils ont envie qu'on soit honnête avec eux. Le tout, c'est de trouver la belle manière et la bonne manière de leur parler de certains sujets. En trouvant de la poésie ou de quand tu as lu par exemple ce matin-là j'ai commencé à voyager, la liste à la Prévert, pour moi c'est vraiment un hommage à Prévert avec toute cette liste complètement absurde d'objets emmenés dans son sac à dos. Donc parler de sujets importants ou graves parfois, j'ai fait un livre qui s'appelle Mon grand-père s'efface sur un texte de Gilles Baume qui parle de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant a un grand-père qui commence à perdre la boule, qui commence à voir des fantômes qui sont pas là, qui commence à se décaler dans le temps, etc. Donc on aborde ce sujet-là. Mais c'est fait avec tellement de finesse sur le texte de Gilles, hein, c'est vraiment Gilles qui a écrit le texte, que voilà, on peut parler de tout avec les enfants, il faut trouver la bonne manière de le faire. Alors justement, parce que donc tu dis souvent que tu es illustrateur et que le métier d'illustrateur finalement... il n'est pas spécifiquement dédié aux enfants, même si les enfants sont un public auquel on présente plus d'images que le public adulte. Bien sûr. Il y a un projet qui j'aimerais t'entendre parler. C'est le projet qui me semble-t-il a un versant adulte, un versant enfant, et qui a donné lieu à la réalisation de cet album autour de la déforestation en Amazonie, puisque d'après ce qui m'a semblé comprendre, hein, c'est que c'était pas forcément un projet pour les enfants au départ, en tout cas. Et qu'il avait été décliné finalement en trouvant une manière, on a parlé de manière poétique, celle-là elle est ludique d'une certaine manière, hein, de parler d'un sujet grave aux enfants. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, d'abord ce livre-là, Où est l'éléphant, effectivement c'est un cherche-trouve. Donc vous devez trouver un éléphant, un toucan et un serpent. Et évidemment, quand la forêt, elle est pas, quand les humains sont pas encore là, ils sont durs à trouver. Sauf que plus les pages, défilent, et plus on se rend compte, l'air de rien, que, les humains se sont installés et commencent à déforester, se mettent à couper la forêt amazonienne. Du coup, évidemment, nos trois petits animaux qu'on doit trouver dans ce cherche-trouve, on les trouve de plus en plus facilement, jusqu'au point de non-retour où il n'y a plus qu'un seul arbre. Et ils essayent difficilement de se cacher tous derrière, et la cité s'est développée de manière de manière importante. Et là aussi, moi ça se finissait là mon histoire, mais l'éditeur a dit « Oh, c'est quand même un peu triste, il faudrait qu'il y ait un peu d'espoir », ce en quoi elle n'a pas tort. Donc du coup je les ai mis tous enfermés dans un zoo, ce qui est encore plus terrible. Mais la page d'après, l'éléphant écarte les grilles du zoo, prend le dernier arbre, prend l'éléphant, prend le toucan. Il y a une des toitures des maisons qui se retourne, ça fait une embarcation. Ils embarquent tous dedans et ils partent. Ils n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer pour survivre. Et c'est toute ma carrière, on m'a dit, il faut pas faire de livre sans mots, parce que les parents, ils savent pas quoi dire quand il n'y a pas les paroles, les textes, etc. Et ça, il y a juste au début, où est l'éléphant, où est le toucan et où est le serpent. Mais c'est sans parole et ça a très très bien fonctionné. Ça a été, comme je disais, un gros succès. Et ce livre-là, il part d'un voyage que j'avais fait il y a très très longtemps, un carnet de voyage que j'avais fait au Brésil, où j'étais parti de Rio de Janeiro jusqu'en Amazonie. Et j'avais pu voir à quel point, déjà à l'époque, ils mettaient le feu pour se tailler des bouts de champs, pour mettre des vaches, et par la suite mettre du colza aussi. Donc voilà, ce livre-là, il part d'un carnet de voyage que j'avais publié il y a très très longtemps au Brésil. Et du carnet de voyage à l'album pour la jeunesse, est-ce que le message est le même? Non, évidemment, bien sûr que non, mais moi, comme
tu as pu le dire au début, j'adore tellement ça, les livres, que c'est vrai que les livres pour enfants, c'est une grosse partie de mon travail. Je suis illustrateur, mais je suis aussi également auteur. J'illustre aussi les textes des autres. Mais il y a quelque chose que je faisais beaucoup aux États-Unis, que je fais un peu moins depuis qu'on est arrivé en France, c'est tout ce qui est illustration de presse. J'ai fait des images pour le New York Times, pour le Washington Post. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait quelques images pour Libération, pour certains magazines. Et puis finalement, j'ai arrêté d'en chercher. Et si on arrête de se battre, eh ben, on a moins de travail dans ce créneau-là. Donc j'ai commencé à faire de moins en moins d'images adultes. Et puis, un jour, je tombe dans la rue sur une benne avec plein de vieux papiers, des papiers anciens. Et parfois, j'utilise des papiers que je découpe dans mes illustrations. Et j'ai sauté dans cette benne pour récupérer des documents à découper. Et j'ai trouvé une boîte à chaussures qui était fermée par un lacet. Enfin, un lacet à chaussures. Et à l'intérieur, il y avait un cahier d'écolier très très ancien et une croix de guerre. Ce cahier d'écolier, c'était 3 mois de la vie d'un homme qui part au front en 1914. Donc j'ai trouvé ça, c'était écrit très serré, j'ai pas compris tout de suite que c'était un véritable diamant. Donc je suis rentré chez moi, et je l'ai montré à mes enfants qui m'ont dit « Papa, t'as encore trouvé une merde dans une poubelle ?» J'ai dit « Oui, mais regardez, ça a 100 ans !» Et bon, bref, ils m'ont un peu dégoûté. Donc je l'ai posé sur une étagère, je l'ai oublié pendant 5-6 mois. Et puis un jour, sur un salon, qui était un salon généraliste, il y avait des gens de bande dessinée, des gens de romans adultes, et de la jeunesse, et il y avait une scénariste de bande dessinée. Et je raconte cette histoire. Et elle me dit, mais c'est un journal que tu as trouvé il y a lundi, mardi, 3 août 1914, 4 août, 5 août, etc. Elle dit, c'est déjà découpé, c'est un scénario, tu devrais en faire quelque chose. Je dis, oui, mais moi, je fais pas de bande dessinée. Pour moi, c'était Franquin, c'était la BD belge, Tintin, Astérix, etc. Et le lendemain, sur le salon, elle me montre la nouvelle vague des romans graphiques. Et ça m'a ouvert une porte, je suis rentré ultra motivé, j'ai fait taper le texte par quelqu'un dont c'est le métier, je l'ai lu pour la première fois, et le texte était passionnant, je l'ai adapté en roman graphique, et ça a été mon premier roman graphique. Depuis, j'en ai fait 4-5 autres, et même là, j'en ai encore en production. Donc ma partie adulte, maintenant, elle a trouvé son chemin. J'ai mes livres pour enfants, et mes romans graphiques pour adultes. Le livre dont je parlais, que j'ai trouvé dans la rue, s'appelle « On les aura », et il parle de 14, et c'est les mots de cet homme-là, dont j'ai pas le nom, parce qu'il avait écrit son nom sur la couverture du cahier d'écolier, mais elle s'est effacée avec le temps, elle a jauni, et son encre s'est effacée, donc j'ai pas son nom. C'est mon soldat inconnu à moi. Tu parles de roman graphique, du coup, moi, je pense à un roman dessiné. C'est un petit roman. Est-ce que ce serait la version jeunesse, du coup, l'équivalent du roman graphique? Et là, on passe sur un autre questionnement qui est celui de la collaboration, puisque donc il y a des œuvres pour lesquelles tu es à la fois l'auteur du texte et l'illustrateur. Donc, on comprend qu'il y a un projet global qui se met en place. Et puis, il y a aussi un grand nombre, en fait, d'ouvrages pour lesquels tu illustres et tu illustres des auteurs différents. On a parlé tout à l'heure de Gilles Baume, on en parlera parce que c'est un ouvrage qui nous tient à cœur, nous, on l'avait retenu aussi dans cette sélection. Est-ce que cet ouvrage-là, il a une histoire alors particulière, une rencontre, on imagine, À l'origine de la collaboration? Non, il faut savoir, bon, Gilles, on a fait plusieurs livres ensemble, ouais. Effectivement, il y a une amitié qui s'est créée, et donc régulièrement, il m'envoie des petites choses par Internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ce sont les éditeurs qui nous appellent avec des textes. Et pour celui-là, je ne connaissais pas Sylvie Niemann, c'est vraiment l'éditrice qui voulait créer cette petite collection de romans graphiques pour les enfants, avec un peu plus de pages qu'un album normal. Donc elle a commencé à collecter des textes, quand elle en a eu suffisamment. Elle a décidé d'en sortir 3, une première série de 3, suivie d'une deuxième série de 3. Et donc, elle a fait des mariages, ce que font souvent les éditeurs. Et évidemment, dès qu'elle a eu ce texte-là entre les mains, elle a tout de suite pensé à moi. Surtout qu'avec un titre pareil, c'était pour moi. Et c'est vrai que j'ai adoré ce texte-là. Mais je ne sais pas à quoi ressemble ni Sylvie Niemann, je ne l'ai jamais vue.
Alors depuis, oui, je l'ai vue, mais on s'est jamais rencontré en vrai. Je crois qu'elle habite en Suisse. Et voilà, ça se passe souvent comme ça. C'est très mystérieux. Est-ce que le texte est toujours premier finalement, et l'illustration vient ensuite, ou bien est-ce que au cours de la réalisation, il arrive que le texte change? Quand ça part des éditeurs, ils ont déjà fait leur travail d'élagage ou de travailler le texte, j'imagine. Ensuite, moi, il m'est envoyé brut ou déjà sectionné par double page. Si vraiment j'ai une idée où le texte nécessite d'être, si par exemple il y a quelque chose qui est dit dans le texte et que dans mon image c'est vraiment évident, on peut soumettre à l'auteur une photo de mon image en disant voilà, il y a écrit ça dans le texte, est-ce qu'on peut l'enlever, c'est déjà montré. Mais la plupart du temps, voilà, je reçois le texte, je fais mon travail d'esquisse, de recherche. L'éditeur me donne un format, ce qui est quand même... Il y a des formats un peu particuliers parfois. Le nombre de pages, et puis ensuite, j'essaye de faire mon travail d'illustrateur, c'est-à-dire d'être au service de ce texte. Être au service, c'est pas être redondant, c'est pas juste... la petite fille habillée en rouge court et voit le loup. C'est écrit dans les mots, donc si je le montre dans les images, ben c'est d'une platitude absolue. Donc essayer de trouver de la distance par rapport au texte, et essayer de voir ce qui se passe avant, ce qui se passe après, tous les non-dits, l'ambiance, l'atmosphère, etc. Donc il y a un vrai travail, je trouve. C'est là où c'est palpitant, c'est le vrai travail d'être un illustrateur. Donc mettre en beauté un texte, voilà. Moi, sans être redondant. Une pépite, hein, j'ai trouvé assez extraordinaire dans Mon Pull Panda. Donc on va en parler de Jill Baum parce que effectivement on sent qu'il y a une complicité particulière. Alors c'est encore un ouvrage qui parle de migration et c'est aussi un ouvrage qui parle de guerre cette fois-ci pour les enfants. Hein, on n'est pas comme dans votre roman graphique pour adultes. Et puis il y a cette image extraordinaire où finalement les soldats deviennent des pandas, me semblait-il. En tout cas il y avait une Il y a un jeu graphique sur le visage que j'ai trouvé extraordinaire. Et là, je me suis dit, voilà, un exemple que je retiens pour information, que l'illustration, effectivement, ajoute quelque chose d'extraordinaire parce que le panda prend tout son sens à ce moment-là. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que je n'ai pas fait volontairement. Ah, c'est fou, ça. Oui, puisque j'avais pas fait le lien avec le panda. Mais t'as raison. Et il est là. Il y a des choses c'est rigolo parce qu'il y a des choses qu'on fait consciemment, en pleine connaissance. Puis après, le livre, il appartient au lecteur. Et je me souviendrai toute ma vie. J'ai fait une petite série il y a des années qui s'appelle la série des Arthur, là, pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'affection. Et un jour, il y a une dame sur un salon qui vient voir, elle me dit « Mais c'est génial d'avoir fait cette série-là sur les femmes qui éduquent elles-mêmes seules leurs enfants. L'éducation monoparentale. » Et j'avais jamais percuté. Pour moi, c'était le rapport entre une mère et son fils. C'est vrai que le père, on le voit jamais. Mais même la mère, d'ailleurs, on la voit jamais parce qu'elle est hors cadre. Je sais pas si c'est à marquer. On voit jamais son visage parce qu'elle est trop grande par rapport au format. Je sais pas si on voit... On voit qu'on la voit pas. On voit qu'on la voit pas, et quand on la voit, vous allez voir. Alors, est-ce qu'elle est dans celui-là? Parfois, hein, la mère, on entend. Alors, oui, voilà, regardez. Elle a des longues jambes et une jolie jupe. Ou robe. Mais on la voit jamais. Et bref, et cette dame-là vient là-dessus en me disant, oh, c'est bien, vous avez fait un livre sur la monoparentalité. Et quand je l'ai regardé, je dis, oui. Mais au fond de moi, je me dis, elle a pas tort. En même temps, c'était pas assumé du tout. C'était vraiment un lien très fort entre un fils et sa mère. Bon, le père est pas calculé, il n'y est pas. Ça veut pas dire qu'il est pas présent, mais voilà, il est hors cadre comme la mère. Donc ça, c'est vraiment toujours c'est le public qui s'accapare le livre. J'avais fait un livre pareil, un livre il y a longtemps qui s'appelait Ahmed sans abri, et il se trouve le petit garçon, il avait un pantalon bleu, un t-shirt blanc et un bonnet orange. Quand il a été imprimé le livre, le orange a tiré sur le rouge. Je m'en étais pas rendu compte. Et quelqu'un, un jour, en interview, me dit, mais alors, dans Ahmed sans abri, le petit garçon, il est bleu, blanc, rouge, est-ce que ça a du sens pour vous? Alors là, il faut garder son sérieux et dire, mais bien sûr,
c'est assumé. Non, non, voilà, il y a des choses qu'on fait sans le savoir, et puis c'est très bien comme ça. C'est une part de magie. Quand tu me dis ça, moi, ça me fait du bien, parce que oui, c'était voulu que cette scène de guerre était en noir et blanc, et le lien avec le panda, je l'avais jamais fait, donc ça me touche. Alors, il y a un travail quand même sur les couleurs important, hein, il me semble, dans ce volume, ils sont tous colorés. Enfin, après, on le retrouve, ce motif du noir et blanc dessiné. Oui. Hein, mais là, c'est vrai que dans cette double page, moi, j'ai été qui est la plus forte, parce que tout le reste est très pudique, en fait. Hein, l'histoire de cette petite fille qui porte ce pull panda à qui il a été donné. Donc, on la devine de manière assez implicite, finalement, sauf dans cette double page où la guerre s'invite dans l'école, puisque les murs de l'école sont tombés. Complètement. Et il reste ce moment de partage, en fait. Et effectivement, donc voilà, j'ai eu. Très moi, beau. Le titre devenait. Très beau texte de Gilles Baume. Il est très belle illustration, j'ai envie de dire. Merci. Je me permets, moi, de l'ajouter. C'est gentil. C'est une histoire forte. Alors justement, avec Gilles Baume, est-ce que ça fait partie des auteurs là, on imagine quand même que vous le connaissez, que vous avez vu. On s'est vu une fois, oui, on s'est vu une fois, et c'est Gilles qui était venu me chercher, en fait, et avec plusieurs textes. Et je crois que notre premier album, c'était Le Grand Incendie, je crois. Il me semble, dans mon souvenir. Et puis ensuite, par la suite, on a échangé par mail. Je crois que lui, il est du côté de Strasbourg. Et voilà, régulièrement, on garde le fil. Mon grand-père s'efface chez Albin Michel. C'est un titre un peu particulier parce que mon père était en train était malade d'Alzheimer et il était en train de. Bref, il allait pas bien et un jour je discute avec Gilles, je lui dis voilà, j'ai l'impression que mon père s'efface, qu'il est en train de disparaître de la vie réelle et il est de plus en plus dans un autre monde. Et cette phrase lui est restée en tête, il a écrit ce texte, il me l'envoie au moment où mon père meurt. Donc je vois le titre, je vois qu'il y a un texte. J'ouvre pas le texte, je fais mon deuil, j'enterre mon père, voilà. Entre-temps, la vie continue, on fait Le Grand Incendie ou Mon Pull Panda ensemble, et je reçois mes exemplaires d'auteur, et là j'envoie un mail à Gilles en lui disant « Ouais, je viens de recevoir mes exemplaires, ils sont super beaux », et je fais comme tout le monde, je vais rechercher dans ma liste de mail le dernier message de Gilles, et je retombe sur ce texte que je n'avais pas lu. Donc j'envoie le mail à Gilles en lui disant « Voilà, dernier livre est super beau. » Et je clique sur la pièce jointe et je lis le texte « Mon grand-père s'efface pour la première fois ». Et là, tout de suite, je renvoie un message à Gilles en lui disant « Écoute, ce texte, est-ce que tu l'as placé quelque part? Est-ce que tu l'as proposé à un autre illustrateur ?» Il me répond « Non, non, il est pour toi et c'est étonnant que tu m'en parles parce que je viens de l'envoyer à Albin Michel et ils viennent de me répondre en disant qu'ils aimeraient bien l'éditer. » Donc voilà, les choses ont pris du temps, ça a pris presque un an, entre le moment où il l'a envoyé, il a su être patient aussi, et puis j'aurais pas pu le dessiner il y a un an, il a fallu du temps, il a fallu un éditeur aussi courageux, parce que c'est pas un texte non plus... C'est bien qu'il y ait des textes avec des princesses, des dragons, je critique pas ça, c'est un texte plutôt... pas facile, et donc faut un éditeur qui puisse porter un livre pareil. Donc je suis très content que ce livre-là existe, comme certains autres. Voilà. Le Grand Incendie, il est assez différent finalement visuellement. Et alors, est-ce que c'est les choix de couleurs, le graphisme, l'univers, est-ce qu'il y a un univers particulier qu'on devine? Est-ce que c'est un texte qui est ancré finalement dans une histoire précise, ou bien est-ce que c'est une fable? C'est une fable. C'est vraiment un sultan qui commence à se dire voilà, il faudrait demander à Gilles quelle a été sa première source d'inspiration, mais c'est un sultan qui décide que bah voilà, les livres ça sert à rien et autant les brûler. Donc il fait un grand tas de livres, il commence à les brûler, les livres se consument, certains bouts ne sont pas complètement brûlés et s'envolent avec le vent, et un petit bout de texte arrive dans le jardin d'un enfant qui va prendre ce texte et qui va se dire « Mais d'où ça vient, ça ?» Et il commence à marcher vers la ville avec ce petit bout de texte. Il en trouve d'autres sur le sol, et plus il marche vers la ville, plus les gens, eux aussi, se
s'agglutine et marche avec lui en disant « Mais oui, ça c'est le début d'un poème que je connaissais, maintenant j'ai la suite, mais je l'ai que comme ça, avec la voix. » Bref, ils marchent tous. Et évidemment, ils vont s'approcher de la ville où il y a le sultan. Le sultan est sur ses remparts, il voit cette foule arriver vers lui, il dit « Zut, bon sang, mon heure est venue. » Et effectivement, la foule va commencer à écrire avec du charbon les textes qui manquent, pour pas les oublier, sur les murs du palais. Puis ils vont pousser tellement fort que le palais va s'effondrer et le sultan va mourir. Mais l'idée, c'était, oui, de l'importance des livres. Il faut faire attention, c'est précieux, c'est pas n'importe quoi un livre, ça ne se brûle pas, il faut en prendre soin, ce qu'il y a dedans, c'est notre mémoire à tous. Voilà, et ça fait référence, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale et à tout ça. Comment on choisit, parce que vous avez à la fois un style bien à vous, qu'on reconnaît, et en même temps, des techniques, vous avez parlé tout à l'heure d'un petit peu de collage, de graphismes qui peuvent être différents, même de choix de couleurs, hein, de palettes de couleurs qui peuvent être tout à fait différentes d'un album à l'autre. Comment ça se trouve, ça? Alors, c'est toujours un peu mystérieux, mais il y a évidemment d'abord le texte, comment on le ressent. Ce texte-là, par exemple, pour moi, bon, on revient tout le temps à ça, hein, mais c'est vraiment mon enfance au Maroc. C'est des bleus profonds, ce ciel marocain, c'est cette terre un peu orangée, ces montagnes. Donc pour moi, ce livre-là, il est nimbé de tout ça. Voilà, nous serons à jamais ce jardin parmi les flammes. Ça, pour moi, c'est vraiment le palais Majorelle et certains jardins au Maroc. Là, notamment à Marrakech. Mais bon, bref, voilà. Il y a d'abord un texte. Ensuite, la sensation que j'ai, moi, par rapport à ce texte, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'être un musicien, et par rapport à un thème donné, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, je suis plutôt guitare électrique ou plutôt piano. Quand je reçois ce texte, je suis plutôt ceci ou plutôt cela. Et voilà, la notion de style, pour moi, c'est une prison. Donc, dès que je peux aller... Donc, la première chose, c'est la sensation par rapport au texte. Ce que j'ai envie de faire. La deuxième chose, c'est l'éditeur. C'est important. On a parlé de Bienvenue, on a parlé de juste avant Où est l'éléphant. C'est un éditeur anglais. Il y a beaucoup de pression. Il cherche à ce que je sois le plus propre possible, parce que plus je serai propre, plus ils pourront en vendre à l'étranger. Donc c'est aussi un commerce, hein, donc faut pas oublier ça. Lisse, faut que tout soit bien, faut pas déborder, faut pas. Par exemple, ce livre-là n'aurait jamais pu être. Enfin, je dis ça, mais en même temps, en Angleterre, il y a toutes sortes d'éditeurs. Mais là, en l'occurrence, c'est un éditeur anglais qui s'appelle Egmont, qui publie Les Monsieur et Madame, vous savez. Mm-hmm. Bon, bref, ils publient Tintin aussi, Sampé. Donc, bref, là, il y a trop de texture, c'est trop sombre, etc. Donc ça, ce style-là, par exemple, quand je travaille avec les Américains ou avec les Anglais, c'est un style, on me demande toujours « mais alors, attends, c'est mal peint », bon, bref. Donc, il faut un éditeur, ça dépend si l'éditeur est plus, j'allais dire entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais « arty » ou pas, s'il est plus commercial ou pas. En fonction de ça, moi, j'adapte mon style. Et puis ensuite, voilà, c'est le texte. Là, je vous ai apporté les originaux d'un livre qui va sortir aux éditions Kilowatt, qui est un... C'est une fiction, mais à la fin, il y aura 6 pages de documentaire, et le thème principal, c'est Ellis Island, à New York, cette île où tous les migrants étaient accueillis en arrivant, et on les parquait comme du bétail, etc. Et ce livre-là, c'est un mélange de plumes très légères. Ce livre-là, d'abord, il est découpé en deux. Il y a la partie, c'est une petite fille qui vit en Grèce, qui dessine de migrer aux États-Unis. Donc, il y a la partie Grèce qui est très lumineuse avec des blancs et des ombres bleutées, avec des ciels, avec des nuages blancs. Enfin, bon, bref. Quand elle arrive à New York, le monde devient gris, beige, et on voit beaucoup moins le ciel. Et quand il est là, il est très sombre. Et aussi, juste avant qu'on commence à me donner, que je commence à travailler sur ce livre-là, une médiathèque, les archives départementales on me donne des vieux plans très anciens, tout jaunis comme ça, beige,
un peu crème, et j'ai taillé dedans, c'est pour ça que vous voyez certains bouts, il se passe des petites choses là, et j'ai découpé le beige que vous avez vu, par exemple, ce n'est que du collage. Donc je mélange collage, gros coup de pinceau à l'acrylique, et petite plume fine, pour essayer de trouver une sorte d'équilibre. J'adorais la couleur de ces vieux plans en jauni, donc souvent j'essaye d'intégrer des vieux papiers dans mes illustrations. Voilà. Donc là, c'est de l'acrylique utilisé soit très dense, soit avec beaucoup d'eau, comme de l'aquarelle finalement. Voilà. Donc ce sont des doubles pages. J'écris mon texte en dessous pour l'avoir toujours en tête, pour pouvoir le relire régulièrement pendant que je suis en train de concevoir les images. Voilà. Là, elle est enfermée dans un tout petit appartement à New York. J'ai reglissé deux citrons qui lui rappellent la Grèce, qui sont des citrons qu'on voit au début du livre, posés sur la table chez son père, quand elle lui annonce qu'elle veut migrer aux États-Unis. Voilà, ça ce sont les originaux, ça se présente sous cette forme. Je me sers souvent de mes marges pour, comme d'une petite palette pour tester mes couleurs. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ce qu'on ne peut pas toucher, c'est comme une forme de garde-fou par rapport à votre création, ou est-ce que vous laissez des libertés, par exemple, est-ce que les citrons, ils étaient dans le texte, est-ce que c'est vous? Non, les citrons sont pas dans le texte. Non, c'est de moi, mais par contre, quand c'est le texte des autres, c'est vrai que je le respecte énormément. Après, quand ce sont mes propres idées, je sais jamais si ça vient d'abord d'une image, ou si j'écris d'abord des mots. Dans mes carnets, ça se présente, c'est un peu le bazar. Voilà, donc ça c'est des projets de couverture, il y a des croquis, il y a des notes bizarres. Ça c'est une couve de roman pour un roman d'un auteur anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Morpurgo. Il a écrit un texte qui s'appelle Dans la gueule du loup, que j'ai eu la chance d'illustrer. Ça c'est un livre magnifique sur contre le fascisme qui s'appelle Le citronnier, qui est un livre pour enfants, édité chez un petit éditeur canadien qui s'appelle D'EUX, ça s'appelle Le Citronnier, c'est un livre merveilleux, très dur, limite pas pour enfants, mais l'auteur a vécu le fascisme en Argentine ou au Pérou, je sais plus. Elle a écrit ce texte-là et c'est une pure merveille. Voilà, donc plein de choses, des embryons de choses, ça c'était une affiche pour un salon du livre, ça c'est la future couve du Michael Morpurgo. Voilà, des essais. Là, ils m'ont dit, attention, il y a un fusil. Je dis, oui, mais c'est en 39-45. Bref, ils m'ont demandé d'effacer le fusil. Là, ici, vous voyez le petit fusil, là, ben, il n'existe plus sur la couverture. C'est absurde. Voilà, des papiers découpés que j'aime bien. Des petites choses. Ça aussi, c'est un petit hippopotame découpé. Donc là, voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est des croquis faits dans le train pour passer le temps. Des bouts de notes et des embryons de choses qui deviennent parfois des livres, parfois rien. Vous avez déjà vu une girafe avec un pull en cachemire? Ben voilà, ça donne ça. Voilà, un poisson pas comme les autres qui est sorti aux éditions Flammarion. Au début, ça devait s'appeler Je sais voler. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Quand on est auteur pour la jeunesse, il y a tout un volet de termes, de figures, de situations, même de traits syntaxiques qu'on s'interdit. Est-ce que quand on dessine pour la jeunesse, il y a de la même manière, finalement, un travail de simplification, ou bien des couleurs, ou bien donc vous parlez d'un fusil effacé à la demande de l'éditeur, si je comprends bien, mais vous, en tant qu'auteur de dessin pour la jeunesse, est-ce qu'il y a vous-même des choix que vous faites en vous disant, voilà, je m'adresse à des enfants, donc je ne peux pas aller vers ce type de représentation, ou est-ce qu'il vous arrive d'euphémiser certaines choses, ou de faire des choix de ce type en vous disant, voilà, je m'adresse à des enfants? Honnêtement, parfois oui. Souvent, d'ailleurs, ça fait déjà 5-6 ans que je...
J'essaye de pas reproduire des schémas. Le truc le plus flagrant, c'est que dans les livres, il y a un truc qui m'exaspère, c'est quand on fait des livres sur l'Afrique et qu'on voit des petits enfants avec des cases, avec un lion. Voilà, l'Afrique, il y a belle lurette qu'il y a plus de cases et que les enfants, ils ont pas des petits pagnes. Et puis voilà, pareil, on infantilise les livres pour enfants où c'est la mère qui est dans la cuisine. Et le père qui bricole, ça m'exaspère. Ça n'existe plus, ça. J'ai fait un livre qui s'appelle Denise. Dans Denise, la plante carnivore, là, voilà. Le père passe l'aspirateur, la mère est tranquille sur son canapé, elle bouquine parce qu'elle a le droit de bouquiner. Voilà, la mère, le père passe l'aspirateur. La grand-mère est une grand-mère active qui fait son sport, etc., etc. Bref. Vous avez aussi fait Mon père est le plus grand des agents bricoleurs, si je ne me trompe pas. Oui. Mais là, tiens, ça d'ailleurs, c'est symptomatique. Mon père, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, c'est vraiment l'histoire de mon grand-père, cet homme-là. Et dans mes esquisses, c'est moi je me suis dessiné, puisque c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mon grand-père avait le don de réparer des choses. Mais c'était encore une autre époque. Il réparait des vélos, il réparait des aspirateurs. Il était connu dans le quartier, les gens ne le payaient jamais. Il réparait plein de choses. Et moi, quand j'allais dans son atelier, je me souviens encore, j'étais tout petit, j'enfilais une de ses vieilles chemises qui me servait pour pas me tâcher, et cette chemise, elle traînait sur un tas de bois, donc elle sentait la térébenthine, elle sentait l'alcool à brûler, le white spirit, bon bref. C'est des souvenirs très ancrés, c'est un texte très personnel. Quand je l'ai proposé à un éditeur, elle m'a dit « Oui, c'est bien, mais là, on est en 2020, si c'était une petite fille ?» Je lui ai dit « Écoute-moi, pas de problème, pourquoi pas ?» Donc, on m'a effacé et on a mis une petite fille à la place. Et puis, c'est plus un grand-père, c'est un père. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est très contemporain de vouloir faire un lien entre son père, un père et une fille. Et puis, tant pis, je veux dire, moi, je sais qu'à la base, ce texte-là, je l'ai écrit en hommage à mon grand-père et que c'est moi l'enfant. Mais il faut un livre pour enfants, ça se fait pas jamais seul. Surtout quand on est auteur. Il faut laisser une place à l'éditeur qui a son rôle à jouer. Elle connaît le marché, elle connaît tout ça, et quand elle vous dit ça, il faut savoir entendre ça. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais j'espère que j'ai réussi à pas rendre les choses trop ringardes. N'empêche qu'à la fin, elle fait de la voiture avec son père. La voiture de course à pédale, là. Donc voilà, il faut lutter contre ces trucs-là, et moi j'essaye de faire très attention à ça. Et alors l'éditeur, il y a des auteurs pour la jeunesse qui ont une maison d'édition plus ou moins attitrée ou une préférence marquée, voire qui appartiennent à une maison d'édition pour qui c'est quelque chose d'important dans leur création. Et vous publiez quand même dans un très grand nombre de maisons d'édition différentes. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous avez commencé à répondre en nous disant, voilà, il y a des choses qu'on peut faire dans telle maison d'édition et pas dans telle autre? Oui. C'est pas une mauvaise chose. Disons que j'ai plein de projets. Plus de liberté, peut-être, d'avoir plusieurs éditeurs, ou est-ce que c'est un... Je trouve. Et encore plus, parfois, j'écris même directement en anglais et je place mes textes carrément, soit directement chez des éditeurs anglais à Londres, à travers mon agent à Londres, soit directement aussi aux États-Unis, parce qu'il y a des textes où je me dis, tiens, ça fonctionnerait bien pour le marché américain. Et du coup, ça fait maintenant presque 2002. Je suis parti en 2002 des États-Unis. J'ai toujours mon agent là-bas avec qui je m'entends très bien et j'essaye d'entretenir cette relation. C'est comme une amitié aussi, il faut l'entretenir. Donc je lui envoie régulièrement des textes. Certains sont pris, d'autres non. On parlait de choses de... Je dessine les femmes, vous avez vu, d'une certaine manière, elles sont vraiment symbolisées, symboliques. Ouais, voilà la maîtresse, tiens. Ouais, je pense que c'est justement la maîtresse. Voilà. Tiens, attends, on va la montrer, là. Elle est là. Hop. Voilà comment les cheveux qui partent. Voilà. Mes femmes ont souvent les cheveux dans le vent. Elles ont des tout petits seins triangulaires comme ça. Avec un tout petit décolleté. Le titre, donc oui, on va reparler de ce livre, hein. Le pays du fond de la classe, c'est la maîtresse. Non, mais oui, c'était juste pour montrer. Vous voyez ça? Vous voyez ces petits triangles-là, ouais. De féminité quand même, c'est une maîtresse. Et le pire, c'est sur les mamans. Eh ben, j'ai quand même un éditeur américain qui m'a demandé
d'effacer ces triangles, ce triangle-là, parce que bah, une maman, fallait pas qu'elle ait trop de décolleté et surtout pas de poitrine. J'ai trouvé ça absolument hallucinant. Donc là, j'ai lutté, et puis au final, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je les ai effacés, donc du coup, ben, elle avait les cheveux dans le vent, mais j'ai effacé cette petite... J'ai effacé sa féminité, à mon grand regret. Alors, qu'est-ce qui amène un jour à avoir envie de fonder sa propre maison d'édition ? Oh là, alors là, d'abord, je suis pas tout seul. Il y a Galia avec moi, et puis c'est une rencontre, à la base, il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 10 ans. C'est une rencontre, oui, c'est ça. On était au café, on venait de déposer nos enfants à l'école, et puis moi j'étais un peu remonté parce que j'avais essayé de placer un texte chez un éditeur et ils en avaient pas voulu, et ça m'avait énervé parce que je trouvais que c'était un bon texte. Et du coup, j'étais là au café, je discutais avec les parents, et puis je dis « Oh, j'en ai marre, je crois que ils ont rien compris, je crois que je vais monter ma propre maison d'édition, je vais m'auto-éditer, parce que ce texte-là, je comprends pas pourquoi ils en veulent pas, etc. » Et il y avait Galia en face de moi, qui avait le regard qui s'est allumé, qui pétillait, qui m'a dit « Ah, mais si tu montes une maison d'édition, c'est mon rêve, faisons-le ensemble. » Et voilà, banco, c'est comme ça que ça a démarré, puis après, ça a pris plus d'ampleur. Et maintenant, c'est vraiment Galia qui gère Kilowatt et qui, au quotidien, voilà, on essaie de produire des livres, toujours un peu à cheval entre du documentaire et de la fiction. Histoire de voyager, ouais, par exemple. Oui, là, c'est un très très beau texte, bah, évidemment, qui parle du voyage, mais toutes les sortes de voyages. Voilà, au départ, on voyageait bah, parce qu'on chassait de la nourriture, on cueillait, mais on les poursuivait, donc on se déplaçait avec eux. Puis après, les Grecs ont commencé à traverser la Méditerranée, le commerce, etc. Toutes sortes de voyages, mais on parle même du voyage interstellaire. Qu'est-ce qu'on ramène quand on part en voyage ? Des photos, ouais. Des coquillages, des souvenirs. Encore une maman, là, qui est un peu... Oui, c'est vrai, ouais. Les cheveux dans le vent, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, le voyage immobile avec un bon bouquin, l'été dans un hamac. Mais voilà, le voyage interstellaire. Qu'est-ce que c'est que voyager ? Évidemment, au nom du voyage, il s'est passé des choses atroces, hein, la colonisation, etc. Mais aussi les inventions qui ont commencé à voyager à travers le monde. Donc, j'aime bien parce que c'est un livre pour enfants. Depuis, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Histoire de manger, etc. Et à travers une fiction, on raconte des choses et on referme le livre en se disant « Waouh, j'ai appris des choses ». Même pour les adultes, d'ailleurs, ce livre-là, il est passionnant. Et Kilowatt, c'est souvent ça, c'est souvent des fictions. Ou des docu-fictions où la place du documentaire a beaucoup d'importance. On a fait aussi, j'ai fait un petit roman graphique aux éditions Kilowatt qui s'appelle Des mutants dans les temps. Et c'est un roman graphique qui parle de... C'est un frère et sa sœur qui vont chez leur grand-mère l'été, et en fait, ils vont pêcher dans l'étang, et ils se rendent compte que les têtards ont des drôles de têtes, quand même. Donc, c'est une petite enquête, c'est une enquête graphique. Ils vont mener l'enquête et se rendre compte que, la nuit, un type arrive avec un camion-citerne et vide des déchets dans l'étang, illégalement. Et du coup, la faune a commencé à se transformer, donc ils vont mener leur enquête, et avec le... Je vous dis pas la fin, mais voilà... Et donc, à la fin, il y a quatre pages de documentaire pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à la pollution, par rapport à tout ça, comment les entreprises sont obligées de recycler les déchets. Le premier roman graphique dans cette collection-là, c'était sur le trafic d'espèces en voie de disparition. Notamment, un petit oiseau qui s'appelle le chardonneret, qui est trafiqué pour y mettre de la colle sur les branches, il le capture, et parce qu'en captivité, il a un chant mélodieux. Et c'est une espèce en voie de disparition. Donc le premier était là-dessus. Le deuxième était Des mutants dans les temps que j'illustrais. Et le troisième s'appelle SOS Forêt en détresse. Voilà, pareil avec une petite enquête, toujours avec le thème de l'écologie très très présent. Là, vous venez de parler on a parlé beaucoup de voyages. J'ai entendu l'expression voyage immobile qu'on entend souvent dans votre bouche. Est-ce que ce voyage immobile, enfin, que vous... qui pour vous la littérature ou le fait de lire, enfin de voyager en lisant, est-ce que ça a pris une place particulière dans la période qu'on vient de traverser, hein, qui est celle du confinement ? Est-ce que vous avez eu des retours sur les enfants lecteurs, sur la manière de leur permettre finalement de continuer à
avoir ce rapport au monde, hein, à faire grandir leur monde dans un contexte de fait, Des retours, non, puisqu'il n'y a plus de salon. Il y a quelques rencontres de classe qui sont encore maintenues, mais très très peu. Donc non, on est très isolé en ce moment. Donc ça va, je vais piocher dans mes idées ou dans mon cerveau pour aller continuer à produire, mais souvent il y a une phase de production, le livre sort et on fait des salons, on va rencontrer des classes, on va rencontrer des libraires, et là on a un retour sur notre travail. Là en ce moment les livres sortent et voilà, et il n'y a pas de retour, donc on est un peu malheureux, on est un peu tout seul. Et le confinement, c'est plutôt favorable à la création ou au contraire, c'est ben, vous voulez, vous voulez que je vous dise la vérité ? Ouais. Eh ben, le premier confinement, ma mère m'a téléphoné, m'a dit « Ouais, c'est super, tu vas avoir plein de temps, tu vas pouvoir créer des trucs de dingue et tout ça. » Eh ben non, en fait. La création se nourrit des autres. Si on n'a pas les autres, c'est-à-dire moi, mon café le matin, à lire ma presse, à regarder les gens, à les écouter, si je marche pas dans la rue et que je vois des gens passer, etc., si je me nourris pas des autres, ben je suis vide. Et c'était désespérant. Je m'étais attelé à des choses, j'étais creux. Et il a fallu que je surmonte ça, mais là, on a le couvre-feu, on est un peu déconfiné en étant confiné. Donc ça va, la machine s'est remise en route, s'est remise en route. Mais non, le premier confinement, ça a été assez violent. Je pensais avoir suffisamment de force et d'idées. Et en fait, on tourne à vide. Je sais pas comment sont fait les autres, mais moi, j'étais assez malheureux. Alors, je vais vous embêter un peu. Parce allez-y. Que vous dites tout le temps que vous savez pas dessiner des princesses, mais pourtant il y en a des princesses. Alors ça m'étonnerait. Ah bah si. Et vous savez mais pourquoi la attendez, j'ai Non, c'est pas celle-là. Attendez, passez-moi celui-là. Vous savez pourquoi la petite fille elle joue du saxo ? On va voir si vous avez la culture. Moi je vous ai amené une princesse de vous. Vous savez pourquoi la petite sœur elle joue du saxo ? Est-ce que les internautes ils savent ? Ils doivent savoir. Ça c'est un hommage aux Simpson. La sœur d'Homer. Elle joue du saxo dans le générique, entre autres. C'est voilà. Une princesse ? Non, et vous avez vu, elle a les couettes de la princesse Leila dans Star Wars. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est mes petites alors, références que j'aimais. Et ce livre est dédié au Monty Python. Voilà. Ouais, bah, vous voyez, elle est nulle, ma princesse. Elle est naze. Je suis désolé. Autant mes monstres, ils sont super. Vous avez vu, c'est une fraise Haribo, une dark fraise Haribo. Voilà. Non, ma princesse est nulle. Passons sur ce moment-là. Allez, avançons. Non, j'ai des monstres rigolos, par contre. Mais votre princesse, elle est rigolote aussi, moi, je trouvais. En plus, elle s'appelle l'Infini. Ouais. Je l'aime bien, c'est... C'est un livre qu'on aime bien aussi, qui parle d'école. Alors, comme on a un public qui passe pas mal de temps dans les écoles, est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a plusieurs, quand même, de vous... On a parlé tout à l'heure de Mon Pull Panda, qui se passe aussi en grande partie dans une salle de classe. Il y a celui-ci. Quel est votre rapport à l'école et est-ce que vous dites hein, vous allez parfois à la rencontre des élèves dans les classes. Ça vous fait quoi qu'on lise vos livres dans les classes ? J'aime pas l'école. Vous n'aimez pas l'école ? Non. Quand j'étais petit, j'aimais pas ça. Mais maintenant, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aller. Oui, ça manque même d'ailleurs. Mais non, moi, j'étais pas un bon élève. Je dépassais trop des lignes déjà quand j'étais petit. Mais les enfants réagissent tout le temps d'ailleurs. Ils me disent « Mais pourquoi tu débordes ? Pourquoi tu dépasses ?» etc. Donc c'est un peu compliqué de leur expliquer qu'il faut apprendre à pas dépasser. Et voilà, on parlait de pression tout à l'heure. Ouais. On leur dit tellement de bien écrire sur les lignes et tout ça que quand ils me voient arriver, puis à chaque fois, mais vraiment c'est « Mais pourquoi tu dépasses ?» C'est une question qui revient, mais depuis 10 ans que je vais dans les classes... Ouais, si j'ai une intervention le matin, une l'après-midi, sur les deux, j'en ai au moins une fois cette question-là. C'est parce que on leur dit que range-toi en rang dans la cour, tu fais un pas de côté, on te crie dessus ou pas, tout le monde crie pas dessus, mais on te fait rentrer dans le rang. T'écris un peu trop grand ou trop petit. Je comprends hein, que ma sœur est maîtresse. Je comprends qu'il faille apprendre à bien être, mais voilà, moi, je n'étais pas fait pour ça. Donc, très rapidement, j'ai commencé à exploser les cadres. Et j'en suis heureux. Et du coup, les enfants, quand je fais un atelier, par exemple, de dessin, ils sont tout le temps à me demander « C'est bien, c'est bien, c'est bien. » Je dis « Oui, c'est bien. » Mais là, j'ai un peu dépassé, je peux gommer. « Non, gomme pas, laisse, c'est très joli comme ça. » Et cette tyrannie de la gomme, cette tyrannie de...
je leur dis, voilà, on va dessiner. La première chose qui me sort, c'est un critérium 0,2 et une équerre et une règle. Mais parce qu'ils veulent tirer des traits droits et parce que ça les rassure aussi, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir une bonne note si le trait est bien droit, etc. Donc c'est très dur d'arriver en leur disant, écoutez, on va pas tracer de trait droit. Et même moi, d'ailleurs, quand je leur montre l'exemple, je fais volontairement mal pour que mon trait soit pas bien droit, parce que après, il y a la tyrannie de bien faire par rapport au modèle, etc. Donc voilà. Donc la classe, c'est... Je sais pas si j'étais très clair, là. Il faut s'évader, alors. Non, enfin oui, plus tard, mais... Plus tard, oui. Non, après, moi, j'étais malheureux au collège aussi. Hein. J'étais malheureux. Moi, je lisais beaucoup, je m'enfermais dans les livres. Je parlais très peu, je dessinais beaucoup. Comme tous les ados, j'écrivais de la poésie hyper morbide. Je dessinais des têtes de mort. Puis après, je suis passé à autre chose. Et après, j'ai été orienté très, très, très jeune vers une école d'art. Et ça, je remercie ma mère, qui s'est battue, hein, même contre le système, d'ailleurs, puisque... La conseillère d'orientation à l'époque me mettait dans une espèce de voie de garage. Et ma mère a tenu tête, alors que j'ai aucun artiste dans la famille, mais ma mère a dit, écoutez, c'est simple, regardez, il veut faire du dessin. Trouver une école, bon sang, doit bien en avoir une. C'était il y a très longtemps. Et d'ailleurs, je le dis à tous les parents, cette école existe encore. On peut y rentrer dès la seconde. Il y a un tronc commun qui est maths, français, anglais, mais tout le reste, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que oui, c'était... À l'époque, moi, il y avait du dessin de lettres, dessin d'imagination, dessin de perspective, il y avait de la sérigraphie, il y avait de la photo. C'était une école, j'ai été aux portes ouvertes, j'ai dit, mais oui, c'est là que je veux être. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'être orienté très, très jeune en école d'art, donc ça m'a sauvé, je crois. Mais donc, pour vous, d'une certaine manière, la manière d'éduquer à l'école et la manière d'éduquer à travers, parce que ce que vous avez décrit depuis le départ, c'est quand même... une manière de vous adresser à l'enfance qui n'est pas neutre. Est-ce que les deux sont différentes et complémentaires? Quelle est la place de la littérature de la jeunesse à l'école? Elle est énorme, elle est gigantesque. On peut. Il y a des livres maintenant pour. Enfin, il y a des livres maintenant qui parlent de trucs de dingue, quoi. Moi, à mon époque, on avait la Bibliothèque Rose, on avait quelques livres de l'école des loisirs, mais il y avait très peu de gens. Là, maintenant, il y a des écoles d'art qui ont des sections d'illustration dans toutes les écoles d'art. Il y a des vagues d'illustrateurs qui arrivent chaque année. Donc, du coup, il y a un vent de folie, un vent de créativité énorme en littérature jeunesse. J'ai un souci avec mon fils ou ma fille pour telle ou telle raison. Je suis sûr qu'il y a un livre pour enfants qui en parle ou qui peut m'aider à aborder ça avec mon enfant. Donc c'est très riche. Et même pour les profs ou les instits, il faut pas hésiter à prendre appui sur ces textes-là. Je pense à une petite série que j'avais fait au Canada avec une auteure. Qui s'appuyait avec des psys, etc., qui parlait de harcèlement, qui parlait de sujets aussi... On a fait trois titres, je me souviens plus très très bien, ça date un peu, mais il y en avait un, ça s'appelait « Non, non, c'est non ». Il y en a un où elle aborde un papa un peu violent avec son enfant, et le papa est obligé de sortir, et ça avait été hyper bien amené, parce qu'elle avait travaillé pendant 2 ans avec des psys pour trouver les mots justes, etc. Donc voilà, il y a des sujets, on aborde tous les sujets, on se pose tous la question. Donc si vous avez une problématique, n'hésitez pas à piocher, il y a sûrement un livre qui peut vous aider ou qui peut vous aider à aborder ce sujet-là avec les enfants. Donc finalement, les livres sont là pour aider les adultes finalement dans leur projet éducatif. Et aider les enfants, oui, parfois, pour exprimer des choses ou pour... Je sais pas, quand on a un grand-père un peu bizarre qui commence à perdre la boule, mon grand-père s'efface, ça peut être un bon point de départ. Quand on a... je sais pas, il y a plein de... C'est vrai que l'écologie, moi, ça me touche beaucoup en ce moment, mais l'Amazonie, ça paraît loin, mais ça nous impacte. Il y a un livre sur cette table qui s'appelle « Mais où êtes-vous ?» qui est là-bas. « Où êtes-vous ?» Ce livre-là existe. Parce que un jour, je vois un article dans la presse qui dit, voilà, les moineaux
le bête moineau, quoi, que parisien, que tout le monde connaît et qui est dans toutes les villes, vient de glisser sur la liste rouge des espèces en voie de disparition. Pour deux raisons. Ils ont plus d'habitat, ils ont plus de nourriture. Donc le bête moineau, et je suis dans une classe et j'aborde ce sujet-là, je dis voilà, vous connaissez le moineau, vous savez le piaf? Et il me regarde, non, Piaf, je sais pas, vous connaissez Edith Piaf, elle s'appelle Piaf parce que, fille de Paris, élevée dans les rues, tout ça. Le Piaf, le moineau, ah, moineau, oui, c'est le petit oiseau. Bref, ce livre-là, il parle des espèces en voie de disparition. Et il parle de, justement, d'un roi qui décide, qui s'ennuie à mourir, voilà, il sait pas quoi faire. Et un jour, il fait un grand cache-cache. Il a une idée, il dit, ouais, je vais faire un grand cache-cache. Donc, il réunit tous les animaux, allez vous cacher, je compte. Ils commencent à compter, et là, c'est une sorte de chercher-trouve. Ils sont tous cachés plus ou moins bien. Et à chaque fois, le roi, c'est un grand cache-cache, donc le roi retrouve le sourire, et à la fin, il y a une grande fête, et là, tous les administrés disent « Ouais, c'est cool, notre roi a retrouvé le sourire, c'est génial. » Et il y a les deux ministres qui partent et qui disent « Ouais, c'est génial, oui, t'as vu, il a retrouvé le sourire, ça fait plaisir. » Et puis, ils s'éloignent sur la ligne d'horizon, comme ça, vous savez, comme Lucky Luke à la fin, là. Et la dernière phrase, c'est « Et il faudra pas lui dire qu'on est sans nouvelles de... » Et alors là, il y a toute la liste des espèces en voie de disparition. Donc c'est une manière rigolote pour d'aborder ces sujets-là. Et j'ai demandé, avec l'éditeur, on a fait un travail après sur les animaux disparus réellement et les animaux à protéger. Donc voilà, c'est un livre pour enfants, ça parle d'un sujet grave, important, mais ça reste une histoire qui est sympa à lire et qui est rigolote à découvrir. En plus, j'ai caché plein de petits animaux. Enfin, là, il y a un petit... Bon, vous chercherez, mais il y a un petit boa. Voilà. Et en même temps, il y a du sens à la fin. Et de fait, très souvent, on a ces pages bonus documentaires dans vos ouvrages qu'on retrouve... Oui, parce que je me dis, des parents ont peut-être juste envie de lire une histoire, donc ils lisent leur histoire, et puis si, en plus, à la fin, l'enfant est curieux ou s'ils ont envie d'approfondir, s'ils sont fatigués, ils peuvent juste fermer le livre et puis dire bonne nuit, et puis voilà, l'enfant s'endort. Mais s'ils veulent creuser un peu plus profondément, je trouve ça bien de pouvoir d'avoir un second souffle et dire voilà, regarde, tu vois, ça, c'est cet animal-là ou ce sujet-là, voilà, ça permet de creuser un peu plus profondément. Alors c'est peut-être le moment de nous parler de votre projet en cours ou enfin. Ben non, ça y est, voilà. Parce qu'on le découvre avec vous aujourd'hui. Il est terminé. Il va apparaître d'ici quelques mois. Si oui, compris. Je crois qu'il sort au mois de juin. Ça s'appelle « Les géants tombent en silence ». Alors, c'est un livre pareil qui me touche quand même beaucoup parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, c'est... Tu veux le lire ? On a du temps ? Et on a le temps. Tu veux le lire ? Tu seras la première. Voilà. c'est le seul exemplaire que j'ai. Pour l'instant, j'ai pas eu mes exemplaires... Allez, à toi de lire. J'espère que ça va te plaire. Des souvenirs, j'en ai plein. Mon souvenir le plus ancien, c'est l'inauguration du petit parc. Le maire avait mis sa belle écharpe. Tous les musiciens de la fanfare étaient présents. Pas une fausse note. J'étais tout jeune. Puis j'ai grandi. La ville aussi. Des hommes en vert ont installé un petit toboggan juste sous mes branches. Les enfants sont venus nombreux et leur rire montait jusqu'au ciel. Le temps a passé. Le toboggan ne sert plus que de perchoir pour les moineaux. Un matin, il avait disparu. Un banc en bois tout neuf avait pris sa place. Sur le banc, un homme s'est assis. Il a vécu longtemps, là, à l'abri. Je l'entendais souvent murmurer à la nuit des chansons anciennes. Un jour, il est parti et la terre a continué à tourner. Je me souviens du jour où le chat de lin branchu est monté si haut dans mes branches qu'il était incapable de redescendre tout seul. Il a fallu appeler les pompiers et sortir la grande échelle. Tout le quartier était là pour assister au sauvetage. C'est déjà l'automne. Le vent s'est mis à souffler tellement fort, une vraie tempête. J'ai perdu quelques branches et le toit de la boulangerie s'est envolé. Ça a senti le croissant dans toute la ville pendant des mois.
La neige a tout recouvert. La ville, engourdie, s'enrhume doucement. Comme par magie, un petit cadeau s'est retrouvé accroché à l'une de mes branches. Personne ne sait comment il est arrivé là. Ce même hiver, ou un autre, j'ai recueilli dans mes bras toute une bande d'étourneaux fatigués qui descendaient vers le sud. Combien étaient-ils ? Des dizaines ? Des centaines ? J'espère qu'ils sont bien arrivés. Le printemps est là à nouveau, et avec lui, les premières feuilles et les amoureux. Enlacés, ils se murmurent des mots doux collés à mon tronc. Au petit matin, ils partent, laissant derrière eux deux initiales et un cœur tracé à la craie sur mon écorce. Les journées sont longues maintenant, et les nuits sont douces. Aujourd'hui, il y a du monde sur la petite place. Quelques lampions, de la musique, et la ville entière se met à danser jusqu'au petit matin. Les danseurs fatigués rentrent se coucher, la lune aussi. Mais pas de temps à perdre, c'est le jour du marché et tout le monde s'installe. Raymond et ses poissons, Ahmed et ses fruits, Momo et ses légumes, je les connais tous, ils viennent depuis si longtemps. Les hommes en vert sont revenus, tout le monde s'agite, ils vont sûrement agrandir le petit parc. En plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier, les oiseaux sont... Waouh, c'est trop triste. Non ? C'est un peu triste. Mais tu l'as tellement bien raconté, c'est vraiment touchant. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. C'est alors, moi-même. Il n'y a pas d'happy end. Non, ben voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est courageux de la part de l'éditeur parce que dans les livres, il y a souvent des fins ouvertes où justement après, on peut inventer des choses, etc. Là, c'est vraiment une fin fermée. Je voulais que le lecteur ressente cet électrochoc que moi-même j'ai ressenti puisque c'est une scène que j'ai vécue en vrai à la terrasse d'un café. Le temps de dire ouf et un magnifique platane centenaire s'est fait débiter en petites rondelles et un camion est arrivé, paf, et voilà. Il n'y avait plus aucune trace de ce géant. Et ça m'avait choqué même à l'époque. Donc ça s'appelle Les géants tombent en silence, ça sort dans un mois, et voilà les tout premiers, voilà, comment ça sort dans, bon là déjà c'est pas mal bien écrit, je pense qu'il va y avoir une étape juste avant, mais là déjà il y a les doubles pages qui sont là. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une revue. Je trouvais que l'arbre était bien. J'ai fait une photocopie, je l'ai collé dans mon carnet pour m'en inspirer. Là, vous avez la scène avec les étourneaux, que j'aimais bien. Donc, ça, c'est vraiment une esquisse sortie comme ça. Ça, c'est autre chose. Voilà, et ça, c'est la scène avec le sans-abri aussi. À l'abri. J'ai beaucoup aimé ça. Le sans-abri est à l'abri. On a le. Ouais, celle-là. Ouais. On le recrée, hein. Il l'a à l'abri, ouais. Ça. Et puis il s'appelle Ahmed parce qu'il fait écho à Ahmed sans abri. Ahmed sans abri, évidemment. On l'a reconnu, mais là encore, hein. Ça, c'est l'image finale et ça, c'est l'image qui sort mon cerveau. Avec des. Tu vois, c'était pas tout à fait. La couleur jaune, alors. C'est ça. Finalement, la couleur dominante. La scène nocturne. Ouais. Ça, c'est le chat Madame Manchu qui est là-haut, tu vois. Au début, je l'avais dessiné comme ça, le petit chat, une échelle. Et après, je me suis dit, les pompiers, c'est quand même vachement mieux. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. On a encore une toute petite minute, peut-être, pour vous demander. Alors, est-ce que vous pourriez toujours faire un dessin ? Oui, je vais vous faire un dessin, mais c'est pareil. Ce livre existe aussi. Ouais. Il va sortir au seuil. Et c'est pareil, un livre acheté, un arbre planté. Si je peux avoir influé avec mes livres sur ma vie de tous les jours, j'essaie de le faire, je tente de le faire. Pour Ahmed sans abri dont on a parlé, qui est sorti il y a quelques années là, qui était, c'est pareil, il y avait 1 euro qui était reversé à la Fondation Abbé Pierre. Là, celui-là, on va pouvoir replanter des arbres.
Donc, dès que je peux agir, c'est une bonne chose. Amnesty International, est-ce qu'il y avait un... Amnesty, voilà, tout à fait. Amnesty a défendu le livre et elle l'a mis en avant de plusieurs manières. Donc voilà, dès qu'on peut, avec des livres, faire changer les choses ou accentuer les choses, voilà, il ne faut pas hésiter. C'est important. Oui, alors pardon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te fasse un petit dessin? Mm-hmm. Vous voulez un dessin beau ou un dessin moche? Un dessin qui te plaît? Tu vois? Beau ou moche, moi ça m'étonne. Alors, quand je dis ça dans des classes, t'as toute la classe qui dit « bah attends, je veux un beau ». Ils veulent jamais un moche, alors que parfois il y en a des moches qui sont très beaux. Bref. Moi je veux bien un moche beau alors. Un moche beau. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Merci. Donc nous, on a voilà. Une petite surprise aussi. Petite surprise qui fait du bruit. C'est une petite vidéo. Enfin, je dis trop, en fait. Hein. Une petite vidéo dans une classe. Elle voulait celle-ci. Ah oui, est-ce qu'elle dessus? Vous avez entendu? Alors, cette plante carnivore, qu'est-ce qu'elle mange? Des moustiques! Des insectes, hein? On va voir si vous avez. C'est sûr qu'on a raison. Eh ben, on va voir ça tout de suite, hein? Maman, où est mon saxophone? Demande à ton père. Miaou, miaou! Mais quelqu'un me marche sur les pieds! Allumez la lumière! C'est pénible, je ne trouve plus la cuisine. Je voulais faire une tarte. Chérie, tu n'as pas vu ma cravate rouge? Ah, vous êtes là, super! Et Denise? Elle est où, Denise? Bah, ils sont dans son ventre. Denise! Ça ne se fait pas d'avaler les gens sans leur demander la permission. Si voilà. Tu as faim, dis-le. Je te donnerai mon goûter. Bah, qu'est-ce que tu trouves bizarre? En fait, elle avait avalé alors qu'elle n'a pas demandé. Oui. Elle n'a pas demandé la permission, je veux dire. C'est cela. Oui, quoi d'autre? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Très bien. Pourquoi? Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faudra dire à Monsieur Barou, hein, parce que tout à l'heure, on va lui poser plein de questions, on va enregistrer, et ensuite, il les verra, vos questions. Non, au départ, elle n'est pas aussi grande que ça. Elle devient comment? Quelqu'un a dit tout à l'heure, elle prend toute la place. Qui a dit ça? Elle prend toute la place à force. Qui a dit ça? Elle devient immense. Elle devient encore comment? Plus grand. Peut-être la taille de notre école. Elle prend tellement l'espace qu'elle finit par dévorer les parents. Là, elle a montre-moi. Là, on dirait qu'elle a mangé. Oui, tout à fait, parce qu'elle a tellement besoin d'espace qu'elle envahit tout le monde et qu'elle est prête à manger aussi le petit garçon, hein, peut-être. Mais non. Oh, Naomi, aujourd'hui, hein, tu envahis un peu mon espace, hein. Oh là là, ne fais pas ta Denise, hein. Alors, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question à Monsieur Barou? Parce que là, dis donc, on en a dit des choses, hein. Pourquoi Monsieur Barou veut manger toute la famille? Pourquoi vous faisiez autant grandir la plante? Pourquoi Monsieur Barou il s'est occupé tous les jours de son anniversaire, alors il avait dit
qui s'occuperait tous les jours. Oh, on voit les dents! Elle est trop belle! Elle est bleue, ça me fait dents. Elle est trop jolie, la blanche! Ouais, elle est bleue! Wow. Wow. C'est super! Voilà. Ben, en fait, Denise, pareil, ça existe parce qu'un jour, je lis un tout petit article dans un journal de province, je ne sais plus où c'était dans le Gard, enfin, bref, un adulte, puisqu'à 18 ans, on est un adulte, quand il avait 10-11 ans, il s'est pris de passion pour les plantes, ses parents lui ont offert une orchidée. Et il a tellement adoré que cette plante qu'il a commencé à la couper, faire des pousses, et il a eu une orchidée, puis deux orchidées, puis trois. Et il a tellement aimé les orchidées que, à 12, 13 ans, 14 ans, il a demandé qu'on lui offre des plantes. Et un jour, dans sa région, il y a un grand biologiste qui vient sur scène, et ce gamin de 13, 14 ans lui dit, voilà, comment vous avez commencé? Et ce vieux monsieur qui est biologiste, tombe en arrêt devant ce gamin qui a 12, 13 ans, qui est passionné de plantes. Ils vont s'écrire, ils vont lui envoyer des boutures, le gamin va entretenir sa relation avec les plantes comme ça, et avec le vieux monsieur qui va l'alimenter. Et ben, à 18 ans, ce gamin, c'est devenu un spécialiste des orchidées et des plantes tropicales. Mais il a tout ça parce que à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans, on lui a offert une première orchidée et qu'il a découvert sa passion. Et j'ai trouvé ça tellement touchant, la relation qu'il a eue après avec ce biologiste, qui l'a encouragé, qui l'a porté, qui lui a dit « mais vas-y, continue ». Voilà, donc c'est comme ça que Denise est arrivée. Denise est arrivée parce que j'ai lu cet article, parce que en moi, ça a éveillé des choses, que j'ai pris des notes. Et puis après, il y avait dans ce livre aussi, il y a toute cette part de surréalisme, d'absurde, que je dois là au Monty Python, et c'est pour ça que ce livre leur a été dédié. C'est que tout est normal, mais la plante grossit en arrière-plan, mais personne ne remarque, quoi. Elle grossit, et voilà, tout est normal, au point même que ça influe sur leur vie, quoi. Et ça, je trouvais ça touchant. Et le livre devait se finir dans le flou le plus absolu, c'est-à-dire que ça devait se finir juste là. Je disais rien, je disais juste ça. Donc un enfant qui a dit ouais, il est dans le ventre, c'est vrai, mais ça, c'était pas dit. Et là aussi, on m'a dit « mais attends, il manque une page quand même, ils peuvent pas tous mourir ». Et du coup, j'ai rajouté cette page-là, parce que j'ai trouvé la phrase qui me faisait rire, « on mange pas les gens sans leur demander la permission ». La plante, elle grandit démesurément, parce que c'est pas la vraie vie, parce que c'est un livre pour enfants, et que en la faisant grandir démesurément, il y a tout un aspect poétique qui rentre en ligne de compte. Ça devient du surréalisme, ça devient de l'absurde, et... Mais vous leur direz, est-ce qu'ils ont remarqué, par exemple, que dans chaque page, on retrouve un accessoire du personnage qui s'est fait manger? On retrouve le saxophone de la petite sœur, le grand-père joue au train électrique, on retrouve un train électrique, la grand-mère fait des haltères, Denise fait des haltères, l'aspirateur est là. Et là, quand il est tout seul, il y a le roman de la maman qui est... Donc à chaque fois, j'ai retrouvé un petit accessoire. Voilà, je l'aime bien, ce livre, il me fait rire. Il est absurde et il est drôle. Alors, quelques questions. Quand vous avez abordé, tout à l'heure, hein, en cours de questionnement avec Virginie, est-ce que vous interdisez les thèmes comme l'inceste ou le harcèlement moral? C'est terrible. Ça me bouleverse trop. Ça me fait trop de mal. Alors, je me l'interdis pas. Si j'ai entre les mains un texte qui aborde ce sujet avec, c'est délicat, avec délicatesse, avec sensibilité, je le ferai. Parce que je trouve qu'un livre comme ça peut soulever des... Ça peut sauver un enfant, ça peut sauver un parent.
d'avoir un jour entre ses mains un livre qui parle de ça, mais il faudra un sacré bon texte. Jusqu'à maintenant... Attendez, j'ai fait plein de livres tristes, il peut y avoir des livres joyeux aussi, donc... À un moment donné, on me dit « oui, t'es militant, machin, bidule », on m'envoie que des textes d'une tristesse absolue qui me bouleversent à chaque fois, donc non. Non, là, c'est pour montrer un peu d'amour, mais... Honnêtement, j'aurais beaucoup de mal, je le ferais parce que je trouve que si le texte est bien amené... Oh, l'inceste, non, c'est dur quand même. Enfin, sauf si j'ai un beau texte, mais on peut parler de la mort, on peut parler... L'inceste, c'est quand même très dur d'aborder avec les enfants. Les violences faites aux enfants, le texte dont je vous parlais chez cet éditeur canadien, il abordait ça, justement. C'est un petit garçon, je crois. C'est un petit loup. D'ailleurs, j'ai le titre. Je crois que c'est « Parle, petit loup ». C'est un petit loup qui reçoit... Alors, c'était pas montré. Je montrais le père qui rentrait dans la chambre du petit loup avec une ceinture au poing. Donc, je montrais pas l'action, je montais juste avant. Et le titre, c'était « Parle, petit loup ». Et le petit loup veut parler. Il veut en parler à sa maman, mais sa maman, elle a tellement d'amour à donner qu'elle ne l'écoute pas. Donc elle lui dit « Tu veux un cookie ? Prends un cookie !» Et alors que lui veut lui parler des violences qu'il subit de son père. Mais il ne l'écoute pas. Et il va voir la maîtresse. La maîtresse ne l'écoute pas non plus. Il va voir plein de gens qui ne vont pas l'écouter. La seule personne qui va l'écouter, c'est la grand-mère, qui dit « Écoute, on va en parler. » Et je crois qu'à la fin, le père est envoyé, enfin c'est pas dit, mais il dit qu'il prend des vacances, il est sorti du contexte pour aller se faire soigner et il reviendra plus tard. Donc c'est raconté avec mes mots, hein. C'est un livre que j'ai fait il y a longtemps, il faudrait retrouver le texte d'origine, mais ce texte-là abordait ça, les violences faites aux enfants. Donc quand c'est bien amené et que c'est... Là je sais qu'elle avait bossé beaucoup, comme je disais, elle s'était entourée, parce que c'est un sujet, quand on s'en approche, il faut avoir les reins solides, il faut soutenir... Donc elle s'était beaucoup documentée en amont, et quand elle m'avait donné ce texte-là, on a décidé de le faire. Et puis, il y a des auditeurs qui ont bien suivi dans votre parcours. Excuse-moi, juste une chose, c'est juste pour revenir sur ça, justement. J'ai illustré beaucoup de textes comme ça, parfois un peu durs et tout ça. Et vous savez quel a été le texte le plus dur pour moi à écrire et à faire ? Eh bien, c'était un texte sur l'amour. Parce qu'en fait, des sujets sur des thèmes durs, on peut trouver des axes, etc. Mais quelque chose qui parle d'amour, à un moment donné, on voyait, quand j'ai fait Ahmed sans abri, on voyait que des trucs sur des migrants, sur des choses comme ça. Et à un moment donné, j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai commencé à vouloir, vous savez, un amour à la Roméo-Juliette, quoi, quelque chose qui traverse le temps, qui traverse les âges. Et je voulais parler de ça aux enfants, parce qu'on voyait que des textes sur des crottes, à un moment donné, ou sur du pipi, vous savez... le caca, le pipi, je voyais plein de livres dans les librairies là-dessus, j'en avais ras-le-bol, quoi. C'était une grosse mode. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire quelque chose de beau, quelque chose, et ça a mis un temps fou. Qui transcende un peu. Oui, et j'ai enfin trouvé, et j'ai peut-être trouvé un éditeur, et ça va être un très beau livre, donc j'ai pas encore le titre d'ailleurs, mais qui va parler de ça. D'amour. Et donc, les auditeurs ont suivi votre parcours à l'étranger et certains posent la question, à quand des livres bilingues français-anglais dans votre édition ? C'est pas bête, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Oui, à penser, effectivement. Jusqu'à maintenant, je sépare bien les deux, en fait. Il y a des livres, je ne sais pas pourquoi, ils me sortent plutôt en anglais. En fait, c'est le sujet. Je me dis, tiens, c'est un sujet qui irait plus pour les États-Unis. Donc, je me mets à l'écrire en anglais directement et je leur soumets. D'ailleurs, Denise a été écrit en anglais à la base puisqu'il était dédié au Monty Python et j'ai voulu le faire publier en Angleterre et en fait, il trouvait la fin trop sombre. Il m'avait demandé de retravailler. J'avais retravaillé la fin. Puis finalement, ils l'ont gardé pendant 6, 7, 8 mois en me disant, oui, on va peut-être le faire. On l'aime beaucoup. Et puis au bout de 7-8 mois, ils me l'ont rendu. Du coup, je dis, bon, bah tant pis, c'est pas pour eux, c'est pas bien grave. Donc j'ai commencé à le montrer au Seuil, qui a tout de suite adoré et qui l'a pris. Certains ont vous entendu parler de votre rendu à l'école et du coup, j'imagine l'action qui vous a sauvé. Je suis désolé. Hein. Et donc on vous demande le nom de l'école d'art. Oui, je ne l'ai pas dit. Elle existe toujours. Elle s'appelle l'école Maximilien Vox.
quand moi j'y étais, ça s'appelait l'école de la rue Madame. Elle se trouve rue Madame dans le 6e à Paris. On peut y rentrer dès la seconde. Moi, j'ai fait Maximilien Vox pendant, j'ai fait seconde, première, terminale dans cette école. Puis après, j'ai fait un an d'architecture à l'école Boulle parce que je me passionne d'architecture, toujours d'ailleurs. Mais c'était pas pour moi. Ça demandait déjà trop de rigueur et j'étais déjà trop, je dépassais déjà trop. Voilà. Et après, j'ai fait l'école Estienne en communication visuelle à l'époque parce que à l'époque, il n'y avait pas de section illustration. Maintenant, il y en a une, qui est d'un bon niveau. Voilà. Donc, c'était à peu près mon parcours. Nous entendons, donc il y a d'autres questions. Est-ce que vous intervenez dans les classes? Très régulièrement, oui. Là, je pars dimanche soir jusqu'à jeudi à Boulogne-sur-Mer, faire plusieurs écoles autour de Boulogne-sur-Mer, dans des classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà, 4 jours. C'est très rare. Avec le Covid, tout est beaucoup ralenti, donc je fais avec un masque et puis je tiens mes distances. Et puis on a un projet, je les vois 3 fois dans l'année, toutes ces classes-là. Donc c'est chouette. Mais oui, bien sûr, j'essaye de... C'est un métier très solitaire, on est très souvent dans notre atelier, on rencontre des éditeurs, mais on est souvent en train de produire des livres. Et d'aller dans des classes, effectivement, ça alimente. Et puis c'est aussi un voyage. Est-ce qu'il y a des idées de livres qui sont venues de rencontres avec des enfants ou de questions de vos enfants qui ont été déclencheurs de quelque chose? De livres, j'ai pas d'exemple là précisément, mais il y a eu des rencontres, oui, touchantes avec certains enfants, ouais. Des choses bouleversantes, voilà, des choses qui m'ont. J'ai reçu une lettre d'un papa une fois qui... enfin. Non, des choses très émouvantes. Des enfants, un enfant de CM2 qui habitait loin dans la montagne, qui m'a dit je pourrais pas être là sur le salon le lendemain pour les dédicaces sur le salon. Puis je le vois arriver en sueur. Je dis mais t'es venu finalement? Il me dit ouais, ça fait. Il a marché 1h30 dans la forêt. C'était en Auvergne. Il a pris des chemins détournés pour aller. Il voulait m'acheter un de mes livres. Il lui manquait 50 centimes. Il était démonté. Je dis mais tu plaisantes ou quoi? Je te les offre les 50 centimes. Et je lui ai trouvé une voiture pour le ramener parce qu'il vivait vraiment en dehors du monde. Et 6 mois ou 4 mois plus tard, c'était un couple séparé. Il est retourné en vacances chez son père en Allemagne et le père m'a écrit une lettre, mais bouleversante, mais vraiment comme quoi son gamin, ça avait changé quelque chose en lui, etc. Pff, ça m'a même rien que d'y repenser, ça m'avait. Je me dis que. Ouais, puis je fais un drôle de métier, je dessine bizarrement, c'est un peu comme de la magie parfois. Donc les enfants, ça les émerveille et je me dis, bon bah voilà, on vit à un monde où c'est bien d'être émerveillé parfois. Alors plus légère comme question, par rapport à vos carnets, vous avez été assez éboué par vos carnets. Donc, il y a quelques-uns qui se posent la question, est-ce qu'ils sont d'aussi comme ça de bonne qualité, toujours aussi propre, ou est-ce que vous faites un autre jet, qui est un premier jet, qui est un roulement? Non, là, c'est vraiment mes carnets d'aujourd'hui, là, franchement, c'est pas. Alors, je rature très peu, ça, c'est un conseil que je peux donner à ceux qui démarrent le dessin, ou, ne jamais raturer, ne jamais, détruire ou déchirer un dessin. Parce qu'en fait, il vaut mieux qu'il existe dans un carnet, et puis s'il nous plaît pas, bah, c'est pas bien grave, il y en a plein des pages, on tourne la page et on refait. Et puis dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand on le rouvrira, on se dira, ah bah dis donc, il était pas si mal finalement, j'ai bien fait de pas le détruire. Donc ne jamais déchirer, c'est trop violent, ne jamais surgribouiller par-dessus quelque chose. Ok, ça nous plaît pas, il est raté, ça déborde, ça bave, c'est pas grave, on tourne la page et on refait. On tourne la page et on refait, et on conserve à chaque fois. Vous voyez là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais bah, le cow-boy, là, il était mal dessiné à gauche, je l'ai refait à droite, ça m'a pas plu à droite, je l'ai refait plus loin, etc. Donc, quand je le revois, je me dis, bah, il était pas si mal, finalement. Donc, ne jamais détruire vraiment. Toujours garder. Vous voyez, je l'avais déjà fait une fois là. Bref. Une réflexion par rapport à votre thème. Votre démarche d'esprit me fait penser à celle de Tommy Ungerer, ouais. Qui disait qu'il ne faut pas cacher la vérité aux enfants. Oui, il a raison. Moi, je suis,
C'est d'une grande modernité de dire ça. Alors, je dis pas qu'il faut tout leur dire. Je dis qu'il faut. Je dis qu'il faut. Oui, et puis quand on leur dit, ils sont pas bêtes, quoi. Ils sont pas bêtes. Je pense à des parents qui se déchirent et qui vont divorcer, etc. Je veux dire, les enfants sont pas dupes. Ils comprennent bien plus de choses qu'on ne le pense. Et de les cacher, c'est encore de les infantiliser et leur dire, attends, reste à ta place. Comme si ce n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre la mort, la séparation, des choses comme ça. Il faut trouver les mots. Mais parfois, on fait plus de mal à ne rien dire et à ce que tout, il y a des familles où on dit jamais rien. Tout est enfoui sous une chape de plomb. Et c'est tellement lourd à porter après. Bref. Mais c'est mon sentiment. Après, il y a des classes qui aimeraient recevoir, donc il y a des démarches. N'hésitez pas. Le retransmettre. Voilà. Ce que je peux. Bien sûr. Hein. Pouvez-vous donner le titre du premier album, voilà, je crois que vous l'avez donné, dont vous avez parlé avec les ours polaires. Oui, il s'appelle Bienvenue. Et vous le trouvez en anglais, en turc, en chinois, en coréen, en anglais, oui, je l'ai déjà dit, en allemand, en italien. Ça a été un gros succès, ce petit ours-là. Il est très efficace. Je trouve que je suis assez content. C'est très, très réussi. Enfin, voilà, j'ai l'ai lu avec pas mal d'enfants et à chaque fois, ils ont peur, hein, vraiment. Ah non, ils vont quand même pas aller mettre dehors. Et il y a effectivement une attente qui se crée et l'enfant vit la lecture. Non, puis vous êtes bien trop nombreux, vous êtes trop grand, vous êtes trop ours, vous êtes trop poilu. Vous vous souvenez pas quand vous étiez enfant, vous, les filles, ou même nous, parfois les garçons, on veut être dans l'équipe de foot, puis on nous dit ah non, toi t'as pas le droit, t'es une fille, ou toi t'as pas le droit parce que tu sais pas faire de foot, ou alors va dans les cages, l'insulte suprême, t'as envie de courir après le ballon. T'as des lunettes, on te traite de binocleux, t'as un peu de poids en trop, on t'appelle bouboule. Enfin, je veux dire, il y a tout le temps plein d'excuses pour être exclu. Les enfants, ils sont très sensibles à ça. Et c'est d'une injustice, c'est d'une violence absolue. Moi, j'ai une petite fille qui est rousse, on l'appelle poil de carotte, etc. Donc, c'est violent. Donc voilà, ça parle aussi beaucoup d'injustice. Ça rentre dans la bonne humeur. L'Afrique de Vigomar, le voyage... Voilà, puis ils ont rien demandé, hein. Ils sont devenus migrants malgré eux. Voilà. Une petite dernière question pour la route. Alors pourquoi le titre Le citronnier n'a qu'un même ? Voilà, je voulais vraiment. Oula. J'ai envie d'en savoir plus. Oui, alors là, envoyez à l'éditeur s'il y a une faute d'orthographe. Donc c'est pas une volonté. On parlait d'autres auteurs de littérature jeunesse. Vous inspirez, vous avez certains auteurs que vous préférez dans la littérature jeunesse. Des livres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant, vous-même, hein. Pas tant que ça, non. Mais, mais oui, si, Sampé qui. Vous avez cité plusieurs fois. Ouais, parce qu'il est tellement fort et tellement de poésie, c'est tellement délicat, c'est tellement élégant, c'est tellement, je sais pas, c'est précieux et c'est beau, quoi. Donc oui, Sampé pour sa poésie, mais après, mes sources, elles sont plutôt cinématographiques. Tout ce que je fais pour adultes, mes romans graphiques ou même parfois certains livres pour enfants, je m'alimente. Autant on peut aller au cinéma, je vais très très souvent au cinéma. Une fois par semaine, quand je peux, une fois par mois au minimum, là je suis malheureux, mais voilà, mes sources sont plutôt cinématographiques, beaucoup de photographes aussi, je vais voir beaucoup d'expos de photos, en fait tout ce qui peut m'alimenter autre que la littérature jeunesse ou l'illustration jeunesse. Je donne des cours à Corvisart pour des futurs illustrateurs, des jeunes entre 18 et 24 ans qui veulent devenir professionnels, donc ils ont une année de spécialisation. Je leur donne des cours d'illustration, je fais des livres, il y a les éditions Kilowatt à côté, je mange du livre toute la journée, donc mes sources d'inspiration, elles sont ailleurs. Enfin, j'essaye en tout cas, voilà, pour pouvoir m'alimenter. Mais c'est important.
Merci voilà. beaucoup pour votre sensibilité. Voilà. Merci à vous. Je crois que vraiment vous avez touché beaucoup de merci. Des enseignants qui ont suivi cette c'est gentil. C'est vraiment très très apprécié. Voilà. Ouf. On s'en est bien sortis. Non, bah merci. Hein. Je crois que le mot qui doit sans doute arriver beaucoup dans le chat, hein, on l'imagine. Merci beaucoup pour cet échange, pour toutes ces images que vous nous avez amenées et qui nous ont permis aussi de comprendre comment un livre se fait. Hein, parce que nous sommes beaucoup lecteurs. Mais c'est vrai que de voir des travaux à différents termes d'aboutissement, d'achèvement. Ça, c'est mon atelier. C'est aussi extrêmement précieux pour nous. C'est mon atelier. Toutes mes peintures, la musique, mes pinceaux, mes toiles, ma chaise, ma lampe. Voilà. Pour conclure. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.